Bonjour à tous. Pourquoi faire un coup d'État à une année des élections Qui en veut à la tête du président Félix Tshisekedi Dans un pays à démocratie, la tête et le stylo fonctionnent au profit du peuple, tandis que dans celui aux élans dictatoriaux, les mots des dirigeants trouvent leur farce dans les crépitements des balles. Comme une victime attirée par son bourreau, il est à se demander et à s'inquiéter que certaines personnes, lorsque libérées de la dictature, continuent à regretter les tomates de l'Égypte. Leurs actions, leurs écrits, leurs paroles n'ont qu'un seul refrain. Nous préférons la dictature à la démocratie. En RDC, ce slogan est dans la bouche de ceux qui travaillent pour les corrompus de la République, les frustrés de l'opposition et les nostalgiques du système Kabila. Un trio qui ne trouverait son train de vie d'antan que dans un coup d'État. C'est ainsi qu'ils ont multiplié la messe noire en RDC dans la diaspora. C'est ainsi qu'ils ont aussi multiplié les voyages en Occident pour solliciter... L'appui et la bénédiction des sponsors. Oui, il y a eu tentative de coup d'État. La sortie du porte-parole du président de la République le confirme quand il dit, au nom de la présidence de la République, il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements, ANER. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer de ses activités. Et plus loin, il dit, les indices sont suffisamment sérieux pour donner matière à d'autres considérations de type tribal, clanique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux il s'avère nécessaire de communiquer davantage. Le gouvernement de la République s'en chargera. Et pourquoi faire un coup d'État à une année des élections Ce que je pense, et je le répète, les réalisations dans les domaines de l'éducation, de la santé, des finances et de la sécurité, minimes peut-être soient-elles, mais si immenses quand elles sont comparées aux 18 ans du système précédent, ne garantissent pas l'élection des adversaires officiels et officieux du président Félix Tshisekedi. Tenez, 145 territoires financés, c'est aux environs de cinq territoires dans chaque province. Ce qui revient à dire une école, un centre de santé, une administration structurée à côté de certains besoins particuliers de chaque territoire ce projet va créer approximativement un million d'emplois et va par soi-même combattre l'exode rural de quoi donner de l'insomnie aux politiciens du système précédent habitués à se servir dans les caisses de l'état au chômage bientôt cinq ans et qui ont du mal à s'imaginer en train de s'étirer les pouces durant le second mandat du président félix tshisekedi du système Kabila à l'union sacrée en passant par la cour présidentielle, des noms sont cités et les têtes vont tomber. Un nettoyage dans la cour et autour du chef de l'État s'impose et il est en cours.